Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur LTU Radio. Voilà, pour l'émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité. Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir une nouvelle fois. Voilà, pour voyager dans le temps, le présent, le passé et le futur, pourquoi pas. Voilà. Alors, nous allons accueillir quelques personnes ce soir qui ont rempli leur fiche via le site ltu-radio.fr, ltu-radio.fr exactement. Ils ont cliqué sur l'onglet inscription et de là, on choisit donc l'émission de voyance et on remplit simplement le formulaire voilà qui nous arrive et auquel je réponds à chaque fois. Voilà, alors premier inscrit, premier servi, hein, comme on dit. Voilà, donc on va se faire ces petites voyances. Alors, on va commencer par accueillir, je crois, Joël, voilà que je vais appeler, pendant la musique qui sera donc la chanson « La vie sans toi » par Caroline Grimm. Voilà, je vous dis à de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne deltu-radio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà. Et donc, pour l'émission « À demain, vers demain », cette semaine, j'accueillerai normalement Marie-Pierre Lemayeux. Voilà. Alors, alors on va démarrer cette émission de voyance. Mais avant, j'aurais aimé vous parler d'une enfant qui a disparu, voilà, qui est partie. Et donc, si vous pouvez vous rendre sur LTU, sur le groupe LTU sur Facebook, et partager la fiche que j'ai mise. Voilà, alors c'est une appel à témoin de disparition inquiétante d'une personne mineure. Elle s'appelle Alexia. Voilà, donc vous verrez toutes les infos sur la page groupe d'LTU. Et donc il y a un numéro de téléphone à contacter au cas où il y aurait quelqu'un qui verrait quelque chose. Voilà, je vous remercie. Alors on va démarrer l'émission avec Joël normalement. Allô, allô ? Oui. Oui. Ça va, Joël ? Oui, bonsoir. Alors, oui, tu es d'où, Joël ? Du département de Saône-et-Loire. Et ça se trouve où ? 71, donc c'est par El Monial exactement. Ouais. Ça se trouve à limite Côte d'Or, Nièvre. D'accord, c'est le sud de Paris, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Ta date de naissance, si c'est pas indiscret. Hein. Alors, le 19/06/1962. Ah, d'accord. T'es plus âgé que moi, je te dois le respect. Hein. pas de beaucoup, hein, je suis 63. Hein. Ah. Voilà. Alors, tu es inquiète pour quelque chose ou... Oui. On sent de l'inquiétude chez toi. Oui, parce que en ce moment, j'ai traversé une mauvaise période. J'ai eu des gros soucis, là. C'est des gros soucis de la perte de quelqu'un ? Non, la perte de biens matériels, en l'occurrence. Ah, d'accord. J'entendais la perte, mais je ne savais pas ce que c'est que tu as perdu. Des biens matériels, en l'occurrence. Et puis, on m'a fait beaucoup de mal. Voilà. Et le fait d'avoir perdu ces biens matériels, ça t'empêche d'avancer ? Ben, disons que là, ça m'a complètement anéanti. Parce que, bon, c'est pas la première fois, et donc je me sens plus du tout en sécurité. Voilà. Oui. Ah, non.
J'ai une chanson qui m'arrive et j'arrive pas à mettre des paroles dessus. Ah, flûte. Oui, bon, on va commencer par la santé et après on va parler après de ton problème. Hein, d'accord? Voilà. Donc au niveau santé, moi je ressens un problème circulatoire dans les jambes et de la fatigue dans les jambes. Voilà, comme si tu avais les mollets qui étaient un petit peu gonflés. Voilà. Mais ça c'est dû à la fatigue, hein. Je pense que c'est tout le stress. Voilà. On sent aussi que tu as du mal à recréer les choses. Tu as du mal à. Alors, comment je pourrais dire ça? Parce que je sens ça. C'est spolié que tu as été. Pardon? C'est spolié, tu as été volé. C'est ça, hein, spolié quand. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on t'avait pris et qu'on t'a rendu et qu'on te reprend à nouveau, quoi. Non, c'est une suite de vols que j'ai subis. D'accord, parce que c'est comme un redépart, j'ai l'impression. Ah bon? C'est ta maison qui a été cambriolée, quoi. Oui. Parce que c'est le salon qu'on me montre. On me montre comme le salon, c'est. Et il fait sombre dedans. Donc j'imagine les volets étaient fermés, c'était la nuit ou le soir ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est quoi? C'est un plancher que tu as ou des... Oui, un plancher. C'est un plancher? D'accord. Parce que moi je vois comme des trucs en bois, je ne sais pas, au sol. Oui, tout à fait. D'accord. Ah oui. Et c'était noir, il fait noir dedans et ton salon, il est un petit peu en longueur ou quoi? Il est comment? C'est une pièce principale, en fait, voilà. C'est la pièce principale, mais on dirait qu'elle est en longueur. Moi, je la vois comme si elle était en longueur. Mais c'est peut-être juste comme ça qu'on me la montre, hein, simplement. Hein. Voilà. Et j'arrive pas à voir qui c'est. Qui m'aurait intéressé. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Hein. Je vois pas. Hein. Parce qu'en fait, on me met dans le. Comme si c'est moi qui rentrais chez toi, quoi, en fait. D'accord? Oui, je comprends. C'est pas facile. Hein. Mais. Alors, c'est quelqu'un qui a. Je vois une personne qui a une dent cassée devant. Ah bon? Ça te parle pas? Non, ça me parle pas. Voilà, mais moi je vois ça comme ça, quelqu'un qui a une dent cassée. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Mon visage avec une dent cassée. Un homme, une femme? Homme. Homme? Comme une dent de devant qui est pétée. Mais tu le retrouveras pas de toute façon, je pense pas. Hein. C'est pas facile. Ils ont pris quoi? Ils ont pris l'électroménager, tout ça, quoi. Voilà, parce que t'avais une télévision à écran plat et elle est partie ou que c'est ça? Plus plein d'autres choses. Oui, mais enfin bon, j'imagine qu'ils ont été faire un tour dans la chambre, ils ont tiré les tiroirs, les choses comme ça. Saccagé. Oui. Parce que je vois dans la chambre, il y a comme une commode et puis les tiroirs sont enlevés. Voilà. Et quand tu es rentré là, tu as dû te faire un coup au cœur. Hein. Bien sûr. Et j'ai très peur maintenant, voilà. Oui, mais il y aura pas de comment je peux dire ça? Je sais pas comment te expliquer ça. Il y aura pas de récidive, si je peux dire. Au moins J'espère pas pendant que tu es là. Hein. D'accord? oui, j'entends. Voilà. Mais on te sent tout, comment dire ça, tout, comme si tu avais peur, quoi, comme si inquiète. Très, tout à fait.
Voilà. T'as jamais eu de problème de santé là, sur le côté droit? Parce que j'ai l'impression que c'est ton côté droit qui prend tout. Non, j'ai eu un peu, j'ai eu une pneumopathie là dernièrement, mais bon. Voilà, c'était pas au niveau du poumon droit? Si. Ouais, ben voilà ce que je sens tout le côté droit chez toi. Quand il t'arrive des choses, en général, en pathologie, je veux dire, c'est souvent ton côté droit qui prend. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir, enfin, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Bah, je voulais savoir pour pour la suite, qu'est-ce parce que si vous pouvez voir les bonnes choses. Les bonnes choses. Ah là 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 là. Bah déjà te requinquer. Déjà, il faut que tu te requinques parce que t'es pas en très bon état, hein. Donc ça va revenir comme il faut. Voilà. Tu as pas un problème au niveau de la digestion, de l'estomac ou quelque chose comme ça? Hein, on sent ça aussi, comme si tu avais une faim, comme si tu avais faim. Ça Pas donne trop en ce cette... moment, mais bon. Comment? Je dis pas trop en ce moment, non. Non, ça, comme on dit, ça coupe un peu la chic, ça coupe un peu l'appétit. Oui. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que justement tu manges pas et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Parce que moi, on me montre que comme si il faut manger, tu as faim. D'accord. Voilà, peut-être que tu as faim, mais que tu t'empêches de manger. Donc il faut que on t'a déjà pris assez, donc on t'a pris du matériel. Maintenant, il faut que tu penses à toi, parce que c'est pas le tout qui te prenne ta santé en plus. Hein? D'accord. Parce que ils ont déjà fait assez de mal comme ça. Donc ça veut dire qu'ils étaient plusieurs. Parce que je parle au pluriel, donc c'est qu'ils étaient plusieurs. Ouais. Tu as prévu de quitter chez toi pendant un petit moment là ou quoi? Bah, j'avoue que j'y ai pensé, oui. Parce que j'ai l'impression que tu vas partir quelque temps prendre un peu le large. D'accord. C'est bien parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui vient te chercher, hein. Donc tu vas aller chez quelqu'un apparemment. Voilà, j'ai l'impression que c'est un homme qui vient te chercher, je sais pas pourquoi. D'accord. Ça te parle? Bah, non, parce que bon, bah, c'est vrai que bon, pas. Bah, pour moi, tu vas pas rester là un petit peu. Bon, tu vas revenir chez toi après, hein, mais tu as besoin de voir autre chose pour l'instant. Voilà, donc tu vas partir, je pense, quelque temps. Ça peut être une semaine ou deux, hein, pas plus, hein. Voilà. Mais après, tu vas dire, bah, oui, mais si je pars, on va encore me cambrioler ma maison. Voilà, mais non, justement, il faut que tu lâches là-dessus, hein. Parce que D'accord. ça te rend malade, mais ça te rend malade dans ton corps, quoi. Oui. Tout à fait. Voilà. Hein? Donc faut faire attention à toi, faut prendre soin de toi. Voilà. Mais tu as un sentiment d'avoir froid et de t'es pas bien dans ta peau. Hein? On sent ça. Hein? C'est comme si tu étais gelé dans le dos. Voilà, ce côté frileux, ce côté. Voilà, c'est que côté frileux. Ça donne cette impression-là, comme si tu étais frileuse. Voilà. Ah. Tu as pas un fils? Oui, si. Il s'appelle comment? Landry. Moi, je pensais qu'il s'appelait Didier. Parce que j'avais ce prénom qui m'arrivait, mais c'était juste pour me dire peut-être le fils. Hein. Ah À non. moins que tu as quelqu'un qui s'appelle Didier dans ta famille. Non, je connais pas Non, bah Didier non, c'est juste autour de pour moi, ça. non. Hein. C'est pour me parler Voilà. Il est où là, Didier là? Décidément. Landry, c'est comme ça, hein. Oui, Et il est oui. où Landry là pour l'instant? Ben, il est pas très loin, il habite pas très loin de chez moi. Voilà, parce que il peut te donner un coup de main apparemment. Oui, c'est Hein, vrai. Il genre m'aide beaucoup. bricolage ou des choses comme ça. D'accord? Oui. Voilà, on va faire un nettoyage de printemps chez toi. C'est ce que je vais faire, je pense. Je crois que c'est prévu, non?
Normalement, ça devrait être prévu parce qu'on me parle de ça, de nettoyage de printemps. Donc ça veut dire que tu as pas tout, peut-être tout n'est pas encore remis en état. Non, tout n'est pas remis, non. Voilà. Oui. Tu as un garage avec une voiture dedans? Non, pas, c'est pas fermé. C'est pas fermé. De quoi, le garage qui est pas fermé? Parce qu'on me parle de garage avec une voiture dedans. Non, je vois pas. Ben, pourquoi tu. Elle est où la voiture? Elle est dehors? Oui. Ben, on parle de la voiture dans le garage. Ah. Alors peut-être qu'il faut mettre la voiture dans le garage, ou alors peut-être que quand il y a eu le cambriolage, ben, la voiture était dans le garage. Non, elle n'était pas là-bas, j'étais pas chez moi. D'accord. D'accord. Voilà. Mais ben, peut-être que ce serait mieux de faire dormir la voiture au garage. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce que. On me parlait de la voiture dans le garage. En fait, j'ai entendu la voiture dans le garage. Donc voilà. D'accord. Donc peut-être qu'il faut laisser la voiture dormir dans le garage. Parce que je vois pas à quoi ça pourrait correspondre sinon. Voilà. Alors. Oh, et puis. Mais au niveau de la vie en général, tu as souffert aussi, hein? Je parle de soit la vie de couple ou des choses comme ça, on parle de souffrance hein, quand même. Hein. Comme si tu avais été isolé aussi dans ta vie. Voilà. Donc, il y a eu de la souffrance avant aussi. Voilà. Si tu as des questions à poser, tu peux. Hein. Parce que je vais plus te parler de ton passé que du futur, là, si tu me poses pas de questions. Non, ben, je voulais juste savoir si j'allais revenir à une vie normale, quoi. Oui, ça oui, tu vois, il n'y a pas de souci de ce côté-là. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est une question de temps. D'accord. Voilà. Et il faut parler aussi, il ne faut pas garder tout pour toi. Parce que tu as tendance à garder. Et plus tu gardes, et plus ça va te faire mal dans ton corps. Et il faut que tu ailles. Ce serait bien même d'aller voir un psychologue. D'accord, vous me l'a conseillé. Voilà, tu vas voir un psy et tu vas lui parler, tu vas lui dire qu'est-ce qui t'arrive et tout ça et que t'es pas bien. Et donc, bah, le psy va être là pour t'aider. D'accord? D'accord. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux te conseiller parce que tu es malade à l'intérieur, on va dire. Hein? Voilà. Bien sûr. Bon. D'accord. D'accord. Est-ce que tu connais quelqu'un qui son prénom aussi, parce que comme toi tu t'appelles Joël, est-ce que tu connais quelqu'un que son prénom s'appelle Jo quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Joël comme toi. Non, à ma connaissance, non. Mais Ben, ça commence par Jo. Le prénom commence par Jo. Moi j'ai l'impression que c'est Joël ou de. masculin? Ben, j'ai l'impression, ouais. Et qu'est-ce que ce... Ben, c'est des nouvelles qui vont arriver. Ah bon? Ça te parle? Moi, j'ai eu un ancien, maintenant un ami qui s'appelait Joseph, mais bon, C'est je sais Joseph pas que c'est? si... D'accord. sais pas. Et il y a combien de temps que tu n'as pas eu de nouvelles? Parce que pour moi, tu vas avoir des nouvelles d'une personne qui s'appelle comme ça. D'accord. Voilà. Et il faut que tu parles, hein. C'est important. Voilà, de toute façon, tu en as besoin. Hein. On sent même dans ton cœur, hein, comme si tu avais le cœur serré. Hein. C'est Comme si exact. tu avais une pression au niveau cardiaque, tu vois? Voilà quoi. Donc il faut te détendre, mais ça passera juste, ça va passer par le côté psychologue. Voilà. D'accord. Mais c'est pas, ça veut pas dire que t'es malade et tout ça. Hein, mais c'est Non, t'as non, besoin non, non, mais de. je comprends. Voilà. Si c'est nécessaire, Ah, c'est nécessaire. je vais C'est le pour ton faire. bien. C'est pour ton bien. Parce qu'en même temps, t'as une espèce d'impression d'avoir été abandonné. Ben oui. Donc, t'as besoin de.
En fait, on t'a quelque part, on t'a abandonné en même temps et on te prend tes choses en même temps. Voilà, et donc c'est comme si on te mettait encore plus de côté. D'accord. Voilà, et donc ça, il va falloir l'expliquer au psychologue. D'accord? Ok. Voilà C'est tout ce que je noté. peux. Voilà ce que je peux te dire pour l'instant. D'accord. Alors, à Bien. moins que tu aies une question. Ben, non, c'est... Voilà. Ça me va, je vais essayer de me rebooster. Mais oui, mais tu as besoin d'aide aussi. Ne te rebooste pas toute seule, parce que tu n'arriveras pas. D'accord. Il te faut de l'aide de quelqu'un quand même. Voilà, c'est un conseil que je te donne. Hein. Voilà. D'accord. D'accord? Voilà, parce que C'est entendu. sinon tu vas encore rajouter de la détresse sur ta détresse, quoi, on va dire. Voilà, donc un bon coup de main, ça te fera du bien. D'accord? OK. Voilà. C'est entendu. Voilà, Joël. Et puis, à mon avis, le Jojo, là, il va te recontacter. D'accord. Bon. Eh Parce ben, que j'attends. ce Joseph là qu'on parle de que je disais tout à l'heure que ça commençait par Jo là. Oui. Son surnom c'est Jojo. Tu te rappelles pas? Je sais pas du tout s'il y avait un surnom, je sais pas. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aimait bien enfin qui aimait bien. On dit que c'est quelqu'un qui a du caractère. Et qui Tout aime à bien fait. commander quoi. Voilà. Donc c'est celui-là qui va te redonner des nouvelles. OK. Voilà. Mais par contre, il a une certaine angoisse, on va dire. Il a un peu angoissé. Je ne sais pas ce qu'il traverse là en ce moment, mais on le sent angoissé. Voilà, je pense que il n'a pas eu un fils avec qui il a eu des soucis ou quelque chose comme ça? Je sais pas du tout. Tu sais Enfin, pas. franchement, là, non, je... Bon, en tout cas, tu vas voir de ces nouvelles, ça va arriver assez incessamment sous peu. Voilà. D'accord. Voilà, Joël. Je vais te laisser. Bien, oui. Hein, et je vais te souhaiter Eh une. ben, je te remercie beaucoup, Jeff. Bah, j'espère que je Et t'apporte un petit quelque chose quand même. je vais faire attention à moi et je vais prendre tes conseils. Oui, Vraiment prends. bien, oui, vraiment, je vais m'occuper de moi. Voilà. Bah oui, il faut que tu prennes soin de toi. Et ça passe par la santé. Tout à fait. D'accord? D'accord. Voilà. Je t'envoie des gros bisous. Eh ben, bonne soirée, Jeff. Et puis, sud de Paris, ça veut dire que Jouy-le-Châtel, je serai là-bas mi-mars. D'accord. Voilà, si elle a envie de te prendre, de vouloir monter là-haut. Voilà, bah ça fera un petit peu de route, mais voilà. D'accord, Ça c'est permettra de noté. se voir en vrai, en quelque sorte. Oui. Voilà, je te fais des Bien. gros bisous. Ben moi aussi. Salut Et puis Joël. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc c'était Joël. Alors qui c'est comme petit. Ah oui, j'ai un gros bisou de la part de Pascal. Ben, merci, merci. Voilà, je suis dans le chat aussi, je lis. Hein, mais par contre, voilà, si vous voulez que ça passe à l'antenne, il faut écrire en bleu, hein, tout simplement. Voilà. Alors, voilà. Bon, ben, sinon je passe le bonsoir à qui c'est que je vois? Mysteria, Mumia, Nizou, Pascal, Clé, Moronoé. Première fois que je vois, je te souhaite le bonjour. Allez, aux invités aussi, Cookie, Yann et Gitane 44. Voilà. Allez, on va s'écouter Hugo Frey maintenant avec bon, son plus grand tube, hein, Céline. Hein. Voilà, et après on accueillera Virginie. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur LTU radio.fr pour votre émission Au-delà des mots.
l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, voilà, vous avez donc rendez-vous jeudi prochain pour votre émission Au-delà des mots. Et on accueillera donc Michel Blivet qui s'occupe de l'association Cristal à Montmagny. Voilà, et elle est auteure aussi du livre Croix, vie et espère. Donc on aura le plaisir de l'accueillir donc jeudi qui vient, là, jeudi prochain. Voilà, j'ai hâte. Alors on accueille maintenant Virginie, je crois. Allô, allô, allô. Allô. Oui, bonsoir, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Eh ben, impeccable. Oui. Alors, oh, toi, il y a plein d'énergie à revendre. Oui, toujours. Voilà, il y a plein d'énergie à dépenser. Par contre, il y a des choses que tu as du mal à évacuer quand même en toi. Hein. Oui, bah oui, j'ai perdu mon petit frère, ça fera un an le 13 mars. Ouais, on sent, ouais. C'est dur. Et... Mmh. En fait, c'est comme si tu étais sur une balançoire. Tu sais, quand on a un coup, t'es en haut et un coup, t'es en bas. Ouais, c'est ça. Hein, mmh. Donc, voilà. Et voilà. Donc, tu peux avoir un coup, le moral, où tu es prête à tout donner à tout le monde. Voilà, c'est tout. Et un coup, ça, c'est que tu vas te renfermer dans ta petite coquille. Ça va pas, je suis en bas, quoi. Voilà, et où tu te renfermes sur toi-même. Mmh. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. Ah. Alors, qui c'est que tu as perdu? Tu en parlais il y a 2 secondes. Mon petit frère. D'accord. Et son prénom? Sylvain. Sylvain. D'accord. Et à quel âge? Il est parti, il avait 39 ans. D'accord. J'ai mal, toi, ma colonne vertébrale. Ah. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a eu, mais... Il a fait une rupture d'anévrisme. D'accord. Bah, ça me fait mal tout, là... C'est entre les omoplates. Ah oui? Ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec la rupture d'un névrisme. À moins que c'est toi, parce que ça vienne de toi. Ah oui, moi j'ai mal au dos là aujourd'hui. Eh oui, bah c'est ça alors. Oui, j'ai très mal au dos aujourd'hui. Ça vient pas de ton frère, ça vient de toi. Non, c'est moi alors. Oui, c'est vrai qu'en plus, je pensais même pas. En plus, je suis en train de me tenir justement le dos, je suis debout. Ah bah tiens. Eh bien, tiens, je te redonne un petit peu de douleur. Oui, oui, bah, oui, mais je garde pas. À partir du moment où je le dis, ça part. D'accord. Oui. Ah. Alors, voilà. Tu voulais parler de quoi tu voulais parler? Parce que moi, je ressens qu'il y a, au niveau maternel, il y a comme un manque. Au niveau maternel? Oui. Il y a comme un manque? Ouais. Bah écoute, oui, parce que j'ai divorcé, ça va faire 8 ans, et j'ai perdu la garde de mes enfants, en fait, parce que je suis partie trop tôt. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours le petit pincement au cœur. Bon, bah, je les vois un week-end sur deux, et puis toutes les vacances, hein, y a pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils grandissent avec leur maman. D'accord. Mmh. Et au niveau de la grand-mère? La grand-mère. Bah, ta maman? Ma maman? Ah bah ma maman, elle est juste j'habite pas très loin. D'accord. Mais les petits voient leur grand-mère quand même. Hein? Les petits voient leur grand-mère quand même. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, là où ils sont là, en général, mes parents y passent. Parce que c'est important, on dit c'est même vraiment important, comme on dit. Oui. Ah oui, oui, puis même pour moi, c'est super important qu'ils aient le contact avec leurs grands-parents et tout ça. Bon, c'est bien. Ah ouais, ouais. Voilà, et c'est toi qui fais la liaison, qui fais le transfert? Non, c'est pas moi qui fais le transfert, tu veux dire les allées-venues pour aller les chercher? Bah, pour aller les emmener à la grand-mère. Ah oui, en général, ou c'est mes parents qui viennent. Ouais, parce que il y a une histoire de transfert, comme on dit, pour les enfants. Et c'est important, hein, la grand-mère est vraiment importante. Ah oui, oui, ah ben ça, oui. Même pour, parce que donc, j'ai quand même une fille que j'ai eue avec mon nouveau mari et ils sont très, très proches de ma fille. Voilà, bah oui. Ah oui, oui, c'est important, c'est important. Oui.
Ah oui, d'ailleurs, tous les midis, elle me mangeait là-bas. Donc... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, enfin, t'es pas obligé de raconter non plus, mais moi, on me dit que c'est pas un ange. C'est pas un ange. Ben, l'ex, en fait, on va dire, hein. Ah non, 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 c'est pas un ange. Il m'a pourri parce que, ben voilà, pour raconter un peu l'histoire, c'était. T'es pas obligé, t'es pas obligé. Voilà. Eh ben, je me suis retrouvée enceinte de mon premier, donc sa mère, lui, a dit, ben voilà, ta première grossesse, donc mariage obligatoirement, donc c'est elle qui s'est occupée du mariage, en gros de tout, moi j'ai rien fait du tout. Donc j'ai eu un enfant, 2, 3, 4, et puis je me suis enfermée en tant que maman, quoi, je me suis occupée de mes loulous et ouais, tout, et puis en fin est... de compte, quand la dernière allait rentrer à l'école, ben j'ai pris une claque, quoi. Ben qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Ben rien. Je me suis effacée complètement, je dis pas que je regrette d'être devenue maman, hein, non, loin de là, j'ai profité de mes enfants et tout. Oui. Et du coup, ben voilà, puis après, ben, le divorce est arrivé derrière, et puis comme je suis partie trop tôt, ben, mon avocat m'avait dit, ben, tu peux partir, et puis en fin de compte, non, je pouvais pas partir parce qu'il n'y avait pas eu de décision de justice. Eh oui. Ben lui, il en a profité, quoi. Il a fait venir un assistant social, donc abandon de domicile, donc j'ai perdu la garde de mes enfants. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas été un ange, hein. C'est ce qu'on me dit. Ah non, 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 bah non, puis même à l'heure actuelle, hein, j'en paye encore les conséquences, hein, parce que j'ai des... Mais je ne coche pas, hein, j'ai énormément de dettes d'avocat. Hein. Oui, mais bon, ça c'est le côté matériel, on va dire. Oui, oui, non, mais voilà, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, sur la longueur, après, tu récupères tes enfants, hein. Oui, non, mais voilà, c'est en fin de compte, moi, j'ai arrivé à mettre, entre guillemets, les états d'âme du couple, les problèmes d'adultes, et puis voilà, et j'ai tout fait pour que mes enfants soient toujours aussi heureux de venir voir leur maman, ouais. Et ça se passe super bien. Mais en fait, ta vie, elle tourne autour de ça, hein. Oui, c'est ça. Oui, ça a toujours été ça. Ouais, c'est pour ça que je suis allée direct là-dessus. Un week-end sur deux, il faut s'organiser quand ils arrivent, savoir quand je les prends, et puis les dates, et puis... Et voilà, c'est si, ça. Ben, si je disais rien, ben, au niveau scolaire, ben, j'en saurais pas plus. Mais au niveau, je vais peut-être, il manque quelque chose au niveau paternel aussi, au niveau des enfants. Hein. Ah ben, ça, oui, ça. Parce qu'à mon avis, il y a, bon, on va dire, il y a un manque de ce côté-là, au niveau père. Hein. Oui. Bah oui, parce qu'en même s'ils sont avec leur papa, parce que je suis partie parce que déjà bah, il n'était pas présent du tout parce que bon bah il avait ses occupations personnelles à côté. Je suis partie à cause de ça parce que voilà et moi je pensais partir avec mes enfants et puis c'est le tort que j'ai eu. Mais c'est vrai que en fin de compte ils s'imaginent que c'est en leur achetant tout que j'ai fait non ça marche pas comme ça. Les gamins ils ont aussi besoin d'amour. Hein. Voilà et ça il y a un manque de ce côté-là. Ouais ils ont je me doute ouais. C'est pour ça que quand ils viennent là, ils sont très, très proches de mon mari. Il n'y a pas un anniversaire qui arrive pour un des enfants, là? Il est passé la semaine dernière. D'accord. Ouais. Ok. Parce qu'on me parle d'anniversaire pour les enfants. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. C'était pour qui? C'était pour une fille ou un garçon? C'était une fille. C'était une fille. C'est bien ce que je pensais. Et le prochain, c'est en juillet. D'accord. Ouais. Et la fille qui a eu son anniversaire, c'est quel âge qu'elle a? Elle a 11 ans. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'elle, elle va vouloir revenir avec toi. Hein. Eh bien, c'est ça, ouais. Mais parce que moi, j'ai fait 4 fois la demande, 4 fois, j'ai perdu. C'est pas grave. Il y a un âge, si par exemple, à 12 ou 13 ans, elle a envie de venir avec toi, elle pourra venir. Hein. Ben ouais, c'est ça, mais elle est tellement réservée, elle a tellement peur. Elle le fera. Elle le fera. Oui, elle le fera. Ouais, parce que je pense qu'elle en a besoin et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle repart, elle pleure, quoi. Elle le fera parce que moi c'est ce qu'on me montre. Hein, ouais. Même on voit dans sa vie de la petite, elle a du mal à avancer. Ah oui, parce que là il a fallu que j'en ai profité pendant les vacances. Ça paraît bête, hein, mais le fait que j'ai coupé les cheveux, j'ai fait des petites mèches et tout. Ben elle a déjà pris un peu d'assurance et tout parce qu'elle était très réservée. C'est limite on peut l'oublier dans une pièce tellement elle s'enferme sur elle-même. Même on peut dire qu'elle s'enferme dans elle-même. Dans elle-même. Dans elle-même. Comme si... je vais pas dire... parce qu'on parle beaucoup de l'autisme avec Laurence et tout ça. Mais ça fait un peu ça, comme si elle se renfermait sur elle-même. Bah oui, puis moi je connais parce que je suis veilleuse de nuit, mais je m'occupe essentiellement d'enfants autisme et handicapés. Et ben voilà, c'est pas pour rien que je parle de ça alors.
Voilà. Ouais. Après, ouais, j'aimerais bien qu'elle prenne la décision puis qu'elle le fasse, quoi. Ben il faut attendre un petit peu, c'est peut-être une histoire d'un an, un an et demi. D'accord. Après, tu récupères ta fille. Ah, super. Et c'est marrant, ce qu'on me disait, la fille de l'anniversaire. Ah ouais, ouais. Ben oui. Et ça, je pense que ouais, une fois que c'est vrai que c'est ce que je dis, qu'elle sera avec maman, ben elle évoluera. Je pense qu'elle évoluera dans le bon sens en plus. Elle, y a un petit frère derrière ? Une petite sœur. C'est une petite sœur ? Mm. Et y a pas de garçon du tout ? J'ai un garçon, mais c'est le premier en fait. Et il a quel âge ? Il va avoir 17 ans. D'accord, c'est marrant parce que j'avais l'impression que le garçon était plus petit parce que on a l'impression que donc cette gamine là, elle fait avancer le garçon. D'accord. Elle doit apporter quelque chose à ton grand en fait. D'accord. Ben peut-être, ouais. Ou elle permet à ton grand de... Après, c'est vrai que ma dernière, c'est le garçon manqué, donc, et elles sont très complices hein, quand elles viennent ici et tout. D'ailleurs, elles sont tout le temps ensemble. Et quand elle s'appelle, parce que tous les deux jours on s'appelle, et elles sont assez complices toutes les deux. D'accord. Mm. Mais oui, c'est possible aussi que. Ben, il est très protecteur aussi de ses soeurs, hein, oui. Mon grand. Et il y a Gigi ou quelque chose comme ça? Oui, ben, c'est Jérémy. On l'appelle Gigi? Non, on l'appelle Mimi en général, lui, mais son prénom, c'est Jérémy. Ouais. Jérémy, d'accord, ok. Mm. Ok, mais c'est ça, alors. Ouais. C'est marrant. Ouais, tu m'étonnes. Oui, mais ce serait bien que tu changes de boulot aussi. Que je change de boulot? Oui. Ah, pourtant, j'aime ce que je fais. Je sais, oui, mais c'est pour plus tard, pour les enfants. Ah ouais? Bah, tu me disais que tu travaillais de nuit. Eh bien oui, justement, je travaille de nuit. Comme ça me donne plus de temps la journée pour eux, en fait. Ouais. Ouais. Mais s'ils étaient à la maison, ce serait l'effet inverse, en fait. Hein. Ah ouais? Eh oui. D'accord. Ouais. Ça va bien se passer pour toi, ne t'inquiète pas. Hein. D'accord, ok. C'est une question de temps, tu vas attendre et... Ouais. Parce que j'ai des jours et en fin de compte, bah, ça va faire 2 ans que j'ai passé de nuit justement et mon roulement, c'est vrai que je le trouvais petit top parce que bon, bah, je dors le matin et l'après-midi, c'est vrai que je peux me consacrer à aller rechercher la petite à l'école, machin. Et au niveau des fréquentations du garçon? Ben ça, il en parle pas beaucoup. On me parle de Bruce ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça te parle? Non, ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout? Non. Il va falloir faire attention à ses fréquentations. D'accord. Ok. Voilà. Okay. Alors, oui, parce qu'il vient de rentrer en internat et là, c'est vrai qu'il est. Son père l'a mis en internat pour. Il part une semaine par mois. Oui. Et c'est vrai que je trouve qu'il est un peu trop livré à. Enfin, c'est vrai qu'il j'ai a peur évolué que, aussi moi, j'ai peur de. Il est assez renfermé, mais ouais. Comment je veux te il dire ça? Il a des notes, je trouve que c'est pas top. J'ai peur que le. Bon, c'est peut-être le prénom Bruce, c'est peut-être là, mais il y a peut-être aussi le côté Bruce Lee, si on peut dire, le côté la bagarre. Ouais. Et soit c'est une mauvaise fréquentation, de toute façon dans les deux sens ce sera des mauvaises fréquentations. Ouais. Soit c'est une mauvaise fréquentation, soit il va avoir tendance à se bagarrer. D'accord. Pourtant c'est quelqu'un qui aime pas du tout la violence. Ouais, mais il peut répondre à la violence par la violence. D'accord, ok. Ok. Bruce Lee, c'est pas quelqu'un qui attaquait les gens, c'est quelqu'un qui se défendait. Non, oui, c'est sûr. Mmh. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on m'a donné ce prénom. D'accord, ok. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser? Non, à la base, c'était plus au niveau de travail. Que je voulais savoir si ça allait bien évoluer ou pas, parce que comme ça fait 5 ans... Ton travail, pour l'instant, tu es bien dedans, ça va, ça, tu t'y plais, tu le dis toi-même de toute façon. Ouais, ouais. Mais il y a un moment, tu seras peut-être obligé de changer de poste ou quelque chose comme ça. D'accord, parce que je viens de changer il n'y a pas très longtemps. Non, je te parle de bientôt. Je te parle pas maintenant. D'accord, ok. Tu seras peut-être obligé par rapport à... Moi, je pense d'ici un an et demi, après, j'ai l'impression que ta gamine va revenir à la maison. D'accord.
Ah, ça serait bien. Et ce sera comme un effet domino, si je peux dire. D'accord, ok, ça sera une suite qui engendrerait, voilà. Voilà. Ok, ok. Parce que la petite, elle aimait déjà le désir de venir, mais bon, comme tu dis toi-même, tu as déposé 3 ou 4, je ne me rappelle plus comment tu as dit. Quatre fois, j'ai fait appel et 4 fois, j'ai perdu. Oui, mais elle n'a pas l'âge. Eh oui, voilà. Ben oui. C'est ça. Quand on aura l'âge, il n'y a pas de problème. Elle va te suivre. Mais normalement, ouais. Non, si j'ai des bêtises, elle n'a pas 10 ans. Ils sont très rapprochés, les miens. Donc, des fois, je me mélange dans les dates de naissance. Et non, elle vient d'avoir ses 12 ans, alors. Voilà. Et tu peux déjà te commencer à faire une autre demande. D'accord, ok. Ok. Voilà. Ok. Et normalement, celle-là, tu la gagnes. Ouais, ok. Eh bien, je vais voir ça. Voilà, c'est pareil, on me donne encore des fleurs. On me donne des fleurs. Et ton anniversaire à toi, c'est quand? Au mois d'août. Au mois d'août. Il n'y a pas notre anniversaire de quelqu'un qui est décédé? Eh bien, il y a mon frère qui vient de... le 13 mars, ça fera un an qu'il est parti. Voilà, bon, c'est pour lui, c'est les fleurs. C'est les pour fleurs. Lui, des fleurs. Donc, il faudra penser à aller sur là où il est, quoi. D'accord, ok. Hein, et amener des fleurs. Oui, parce qu'il sait très bien que je pense qu'il sait très bien que j'y vais très rarement parce que j'ai encore du mal. Oui. Comme il me dit qu'il n'est pas là-bas. Donc, Mais il faut y aller. C'est marrant parce qu'on parlait vraiment d'anniversaire de quelqu'un qui est décédé, tu vois. D'accord. Et comme par hasard, c'est ton frère. Oui, ça fera fait un an, en fait. Ben, ça va faire un an. Ça va faire un an, oui. Ben oui, parce qu'on avait, j'avais appelé avec Laurence en septembre, on l'avait eu en TCI, ben pareil avec toi et puis Seb. Oui. Et très très bon moment, donc voilà. C'est encore en émotion dès que je parle de lui. C'est oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Ah. Mais en tout cas, voilà, maintenant tout va bien, comme je pourrais dire. Oui. Oui, oui, et puis là, je suis en plein dans les cartons, je déménage, donc j'essaie d'avancer. Mais il bougeait beaucoup, ton frère? Il bougeait beaucoup? Oui. Oh non, pas plus que ça. Pas plus que ça? C'est un peu comme moi, quoi, bien plein d'énergie. Oui, 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 mais c'est marrant parce que c'est comme si on parlait d'Italie ou quelque chose comme ça pour lui, du Sud. Et sa femme est d'origine italienne. D'accord, c'est normal, c'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher. Voilà, et puis ils allaient souvent en vacances dans le sud. Voilà, le sud et l'Italie. Comme ça, au moins, il y a les deux. Ah ouais. Il aimait ça. D'accord. Voilà, voilà. Voilà, il aime toujours, tout simplement. Il aime toujours. Ça m'étonne pas. Voilà. Et il rigole. Il rigole. Tout le temps. Voilà, parce que... Mais c'est pas ça. C'est... En fait, je crois que c'est une pièce de théâtre qui s'appelle comme ça. Parce qu'on me donne on me dit pas qu'il rigole, on me donne le nom Rigoletto. D'accord, ok. Et Rigoletto, c'est... Je crois que c'est une pièce de théâtre italienne ou quelque chose comme ça, avec des histoires de masques ou de choses comme ça. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui... Il peut avoir une tristesse en lui et il mettait un masque avec le sourire. Ouais, c'est ça. Il aimait pas montrer aux gens. Il montrait pas son fond. Et son patron disait toujours, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit le jour de l'enterrement. Même si ça allait pas, son patron voyait très bien qu'il y avait, si ça avait clashé avec ses ouvriers et tout. Si le patron, il disait, il y a eu un souci et tout. Non, ça va. Voilà, c'est ça, il montrait pas. Il montrait pas. Ouais. Même s'il avait de la colère en lui et tout, il montrait pas. Il y avait un bisbis aussi, un bisbis avec sa femme, on va dire. Il y a dû avoir un petit peu de friction avant qu'ils partent. Il y en a eu, mais ça remonte à très très longtemps. Ouais, c'est ce qu'on me montre ça. Je suis désolé d'en parler maintenant, mais voilà, on me montre ça, donc je le dis quoi. Ouais, d'accord. Oui, non, ça a été parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Ouais. Et après le premier arrivé, la deuxième, et non, ça se passait très bien après. Ouais. Mais c'est un petit peu mordu les doigts après, une fois arrivé de l'autre côté, on va dire. Ouais. Voilà. Mais rien de méchant. Il y a quelques regrets, si je peux dire.
Oui, parce que je te confirme, parce que j'ai ma belle-sœur, donc sa femme, qui a été voir, pareil, une TCI en groupe, et elle lui a dit il a beaucoup de regrets parce que pour lui, il n'a pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Voilà. Et c'est marrant parce que j'avais ça, mais en chanson. D'accord. Avec la chanson de David Hallyday, tu m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Et tu sais quoi? Oui, il s'appelle David. C'est une chanson que j'écoute souvent. Ah d'accord. Ok. Ouais. Eh ben c'est ça. Ça vient de lui. Hein. C'est une chanson que j'écoute souvent et parce que quand je pense à lui, voilà, c'est des choses que j'ai pas eu le temps de lui dire. Ouais. Et est-ce qu'il y a un autre frère? J'en ai trois. Voilà, parce qu'il me. Apparemment, il aide un des frères. D'accord. Est-ce que tu dois avoir un frère qui doit avoir des soucis? Ça se peut. Bah, je pense. Je pense que. Et c'est un frère qui a besoin d'être supporté moralement, je pense. D'accord. Et il aide. Il aide moralement un de tes frères. D'accord. Oui, je sais que j'ai un frère qui a. Où moi je m'entends pas du tout avec lui et qui disait qu'il avait l'impression de devenir fou parce que il voyait des choses qu'il n'est pas habitué. Alors tu pourras lui dire que c'est ton frère qui est parti, qui est avec lui. D'accord, ok. Qu'il rêve pas. D'accord, il rêve pas. D'accord? Ben, je lui ferai transmettre. Voilà. Oui. Et c'est marrant. Il n'a pas eu un épanchement ou quelque chose comme ça de sang au niveau de la nuque? Eh bien, si, parce que sa rupture d'anévrisme, c'était là. C'est là que ça s'est passé? Ouais. Parce qu'on c'est me le au fait niveau de la sentir. carotide de la nuque. C'est pour ça que je te parlais de la colonne vertébrale tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Parce que ça me fait mal, mais de plus en plus fort. Et en fait, c'est parce qu'il faut que je le dise. Ah ouais, d'accord, parce que ouais, il a commencé à avoir de fortes douleurs à la tête et puis ben là, il y a eu un jour où il a senti une explosion dans sa tête, mais quand il s'est rendu aux urgences, pour eux, c'était des migraines. Oui, ils ont dû dire qu'il avait subi un traumatisme. Ouais, voilà, c'est ce qu'il pensait qu'il avait dû se cogner et puis Il c'est a pas s'en rendre subi un compte. traumatisme, et ils n'ont pas fait attention. Et en fait, c'était autre chose. C'était, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et ils se sont pas rendus compte. Ils se sont pas rendus compte parce qu'il est ressorti donc avec un traitement pour migraine, ce qui a accéléré en fin de compte la rupture, quoi. Ouais. Et puis, Bah ça oui. s'est passé 3 jours après ses 39 ans. Voilà, mais il se régale là. Ouais. On va dire ça si je peux dire qu'il se régale. Je sais que de l'autre côté, il mange pas comme nous, hein. Hein? Mais il aime bien la bonne bouffe. Il aime bien la bonne bouffe? Oui. Ouais, parce que ça coupe, par moment, je n'entends pas grand-chose. Ah oui, mais c'est ouais, voilà, y a ce côté gourmand, si je peux dire. Ah, ben il adorait ça. Manger, c'était son Eh ben plaisir. oui, parce qu'il me donne faim. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est, Alors, non, ouais, je l'appellerais le boyau, si je peux dire, les comme un boyau, parce que quelqu'un qui mange beaucoup, qui est tout le temps en train de manger. Ah oui, ben d'ailleurs, c'était le seul à la maison qui s'achetait ses paquets de bonbons, qui mangeait ça devant la télé, alors que ses gamins, ils ne mangent pas de bonbons du tout. Oh, c'est sympa, c'est sympa. Ouais. C'était un bon vivant. Oui, mais il est toujours, hein. Il est toujours, oui, je me doute. Ouais. Je me doute. Ah, Bon, excuse-moi. tu vas le ressentir, tu vas le Ouais. ressentir dans ton dos. Dans mon dos. Oui, Ouais. C'est comme si on va te passer une espèce de. Tu vas sentir comme une plaque dans ton dos. D'accord. À mon avis, tu dois déjà la sentir. C'est comme une plaque invisible qui te longe le haut du dos là, qui bouge. Et en fait, c'est comme s'il te faisait comme des passes magnétiques. D'accord. Ben là, bizarrement, ça fait quand même 2 minutes que j'ai plus le dos. Voilà, il te fait des passes magnétiques dans ton dos. D'accord. Voilà. Et effectivement, je me tiens plus le dos comme tout à l'heure. Ben voilà. Voilà. C'est trop beau. Ah, mais ça va, c'est parce que c'est vrai que j'ai la chance parce que moi j'appelle ça de la chance, et puis on a tellement d'amour l'un pour l'autre qu'il m'envoie tellement et puis je reçois et je m'en aperçois. Et je pense que c'est ce qui m'aide à avancer. Ouais. Ouais. Mais
il te dit d'arrêter d'attendre aussi. Hein. D'attendre. Parce que tu attends trop, si je peux dire, son retour. Oui. Et tu l'attends trop et il te dit que ce n'est pas la peine d'attendre. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas pareil. Ils n'ont pas le même temps. Oui, non, mais ouais, c'est donc parce que c'est vrai pas, qu'il y a des fois, je regarde la fenêtre en fait. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, mais j'aimerais tellement le voir arriver. Quoi. Il est déjà là, donc ne l'attends pas, ça ne sert à rien. Oui, non, mais je me doute. Voilà, seulement il ne peut pas s'exprimer comme, peut-être comme ouais. toi tu voudrais. Oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est pas simple. Hein? Je dis, c'est pas simple. Ouais, mais bon, il a quand même pas mal de boulot à faire. Donc, comme je disais, il s'occupe de son frère. Oh, bah, puis oui. Il s'occupe de toi aussi. Il a du boulot avec nous tous réunis. Voilà, ouais. Bah, et puis, il a sa femme, ses enfants, mes parents. Ouais. Il a beaucoup de boulot avec nous. Il y a du taf, il y a du taf. Hein? Il y a du boulot. Tu dois avoir quelqu'un aussi, je sais pas si c'est notre sœur que tu as. Oui, j'ai d'autres sœurs, oui. Voilà, alors tu dois avoir une sœur qui... Mais il avait le don de magnétisme ou quoi? Parce que il y a une de tes sœurs qui a des problèmes au niveau des pieds. Oui, mon autre sœur. Voilà, et il me dit comme ça qu'il va s'occuper d'elle au niveau de ses pieds. D'accord. Et c'est surtout son pied gauche que c'est qui... D'accord. Voilà, c'est sur le côté du pied, c'est bizarre, quoi. Ça, voilà, mais et il va s'occuper d'elle. D'accord. D'accord. Oui, en plus, elle m'en parlait il n'y a pas très longtemps qu'elle se demandait si elle s'était pas tordue la cheville parce qu'elle avait la cheville qui gonflait. C'est sur le côté? Ouais, sur le côté. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Mm-mm. D'accord, bah, j'y dirais. Voilà, donc c'est comme s'il fallait qu'elle mette son pied au vent et qu'il allait la soigner avec comme des courants d'air ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Eh bien, j'y dirais tout ça. Voilà. À moi qui t'écoute, ce que j'ai dit. Voilà. Tu as des passions que tu ne fais pas apparemment. Que peut-être tu aimerais bien faire du théâtre ou des choses comme ça ou des. J'aurais bien aimé faire de la danse. Voilà, mais c'est sur scène. Quelque chose, c'est sur scène. Et il dit que ce serait bien que tu fasses. D'accord. D'accord. Oui, il faut que je trouve du temps. Mais tu vas trouver quand on veut, on peut. Ben oui, je suis bien. Voilà, c'est comme on parle de comme du théâtre, des choses comme ça, du spectacle, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, okay. C'est sur scène, hein, c'est comme une scène. D'accord. Ok. En plus, j'en parlais il y a pas très longtemps que j'adorais les moments où justement, c'est vrai, on allait en boîte ensemble, on montait sur la scène, et puis tant qu'on regardait que nous, c'était très bien. Mmh. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà, voilà. On va s'arrêter là parce qu'il est 21, okay. On a dépassé un petit peu. D'accord. Mais écoute, je te remercie. Voilà, j'espère que ça t'a aidé un petit peu. Ouais. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est le but. C'est le but. Ouais. Non, là, en plus, au niveau boulot, ça va aller, donc ça c'est nickel. Voilà. Et il va t'envoyer une deuxième chanson, je crois. D'accord. Et la chanson, c'est « Aimer est plus fort que d'être aimé ». J'adore cette chanson. Daniel Balavoine. Mm. Voilà. Voilà. Ben, on va se quitter, quoi. Ok. Ben, hein? Écoute, merci, Jeff. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous à tous ceux qui nous écoutent. Ah ben, y a pas mal de monde dans le chat, là, maintenant. Plus ça va, plus il y a du monde qui vient communiquer dans le chat. C'est sympa. Ouais. En plus, c'est vrai que c'est le top. Parce que même moi, mais au boulot, je peux y accéder. Ça, c'est ben top. Oui. Mais en journée, il y a personne. Hein. Voilà, c'est le soir hein, quand on fait les émissions. Ouais, oui. Et puis moi, je travaille de nuit, donc c'est bien. Voilà, et ben c'est super. Voilà. Ben, faut monter ok, ça ben je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Allez, merci, Virginie. Bisous, bisous. Voilà, c'était Virginie. Alors, on va accueillir après Patricia. Alors, Patricia, oui. Et en attendant, donc on va s'écouter donc Daniel Balavoine, comme je viens de le dire, aimer est plus fort que d'être aimé. À tout de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne ? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage ?
Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, vous avez rendez-vous avec Kate de suite après cette émission-là. Voilà, donc de suite après Au cœur du temps, vous avez rendez-vous avec l'arbre aux étoiles. Voilà, pour parler un petit peu de psychogénéalogie, c'est super. Inscrivez-vous. Franchement, c'est tout juste balèze ce qu'elle fait. Et quand je parle de Kate, je parle aussi de Claire, parce que Claire, avec sa numérologie vietnamienne, je vous dis que ça. Inscrivez-vous. Voilà. Alors là, on va accueillir maintenant Patricia. Allô, allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous ceux du chat. Hein? Bonsoir à tous ceux du chat aussi. Ah, d'accord, tu y étais? Oui. Ah, d'accord. Ah, Mysteria. Ah, d'accord, ok. Bah, Mysteria, voilà. C'est tout un mystère. Eh oui. Alors, oui, en fait, quand je t'appelais tout à l'heure, je ne savais pas que c'était toi. Oui, je me doute. Bah oui, je connais pas les noms des personnes. Mais oui, entre les pseudos et les noms, voilà. Voilà, et puis je cherche pas, parce que sinon, je vais perdre la tête. Non, on n'en finit pas, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? T'as quelque chose de particulier, un sujet particulier à traiter? Moi, c'est de savoir surtout si je vais sortir de mon marasme éternel. Le truc qui tourne, que ça tourne pas. D'échec en échec, et là, c'était la véritable catastrophe ces derniers temps. Ouais. Tu t'es séparée aussi? Comment? Tu t'es séparée aussi? Moi, j'ai jamais eu vraiment de relation, on va dire, très stable, mais oui. On me parle de séparation, et puis comme si à chaque fois, ça te restait en travers de la gorge, tes histoires. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà ce qu'on me dit. Je ne serais pas étonné que tu aies un petit peu d'eczéma aussi. Oui, dans les oreilles. Voilà, parce que ça, c'est marqué chez toi, ça me démange. D'accord, c'est vrai que j'ai de temps, oui, régulièrement c'est des poussées. Ça fait un petit poussée. Moment que je n'en ai pas eu. Par poussée. Oh non. Voilà. T'as envie d'exister pour quelqu'un, quand même, malgré tout. Oui, c'est vrai. Oui, c'est parce bien. Que tout n'est pas perdu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Oui, comme on dit, oui. Mais je commence à le perdre, l'espoir. Non, non, il ne faut pas, hein, il ne faut pas, il ne faut pas. Garde ton petit côté clownesque, si je peux dire. Mmh, d'accord. Parce que tu as un petit côté comme ça et... Oui, j'ai un petit peu perdu ces derniers temps. Voilà, il faut le retrouver, ce côté-là. Mmh. Oui, là, il me manque. Là, on te sent plus un petit peu dans la détresse. Oui. Voilà. Et ne fais pas ce que tu veux pas ne fais pas ce que tu veux pas faire. Oui, c'est ce que je me force parce que c'est vrai que parce je déteste faire. On t'a forcé. J'ai pas envie. Et des fois, je suis un petit peu obligée pour faire plaisir, pour ceci ou pour cela, et pour pas vexer. Et ça me convient pas, c'est vrai. D'accord. Voilà. On me dit de te dire d'être toi-même et de ne pas te forcer à faire les choses, même si quelque part on t'oblige. D'accord. Voilà, il faut, si tu as envie de dire « tu dis « Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire. J'y arrive tout doucement. Oui, mais après, tu as du mal à créer les choses. Après, ça te mine et puis et plutôt que d'aller vers l'extérieur, tu vas vers l'intérieur. Voilà, c'est ça. Complètement, et c'est pas je bon. Me renferme. Oui. Et c'est pas bon. Voilà. Tu as quelqu'un dans ta tête quand même? Non, plus actuellement. Ah, alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a dans sa tête à lui, alors. Disons que j'avais, on va dire, quelqu'un, une amitié amoureuse, mais très compliquée. Et ça faisait plus d'un an qu'on ne s'était pas vus, parce qu'il demande toujours à me voir. Et puis, au dernier moment, il annule. Donc, j'ai un petit peu envoyé balader. Je pense pas que ce soit fini, parce que j'entends la chanson de François Hardy. Pour un peu qui s'appelle François, il n'y a pas des kilomètres. Oui. Moi je lui redonnerai plus de nouvelles. J'ai toujours tendu la perche. J'ai dit cette fois c'est terminé. Hein. Ouais, mais tu vas avoir des nouvelles. Ne t'inquiète pas, tu vas en avoir. Et j'ai la chanson de François Hardy, Moi vouloir toi de haut en bas. D'accord, sympathique.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle c'est ce que tu appelles ton amitié amoureuse, quoi, en quelque sorte. Mais il est tellement compliqué dans sa tête et voilà quoi. Ouais. Il voit pas? Il porte des lunettes, oui. Non, j'ai pas dit il voit pas, je dis il boit pas, des fois il a pas tendance à. Ah, il ne boit pas. Apparemment, il a eu une grosse période où il buvait. Voilà, il m'a appris ça, enfin, il me l'a avoué il n'y a pas très longtemps. On me parle de ça, hein, pour lui. Hein. Donc, j'espère qu'il n'a pas repris. Quand ça ne va pas, j'ai l'impression qu'il a tendance à lever le coude, quoi. D'accord. Parce qu'il me l'a avoué il n'y a pas très longtemps et il m'a dit qu'il y a une période où il buvait énormément. Voilà. Mais souvent, quand on boit, alors on va faire un petit jeu de mots à deux balles, souvent quand on boit, c'est parce qu'on ne voit pas. Oui. Ben oui, quand on ne voit pas son avenir et qu'on ne sait pas trop comment. C'est ça. Il peut avoir tendance à lever le coude, quoi. D'accord. Voilà. Mais tu vas avoir des nouvelles de lui. Tu habites où? Parce que moi, j'habite en Seine-et-Marne. Enfin, non, dans Lyon, parce que j'étais tellement longtemps dans Seine-et-Marne. Moi, je suis toujours de Seine-et-Marne. J'habite dans Lyon, mais je suis à 20 km de Sens et 30 km de Provins. D'accord. Donc, on se verra peut-être aussi le mois de mars, alors. Voilà, je suis tombée l'autre jour sur le truc. J'ai dit, mais en plus, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai dit, il ne faut pas que je loupe, j'y vais. Ouais, bah oui, on aura l'occasion de se connaître comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as de la famille ou quelqu'un que tu connaîtrais du côté de Toulon? Toulon, non, c'est Toulouse. C'est Toulouse que c'est? Oui, un cousin à ma mère qui habite à Toulouse, que je connais très très peu. Non, c'est Toulon. Mais c'est Toulon... Ça. J'ai entendu Toulon. Non, hein, une connaissance, mais pas... Enfin bon, apparemment, il y a des nouvelles qui arrivent de Toulon. De Toulon. Ah, alors là... Oui. Bon. Et je ne serais pas étonné que ce soit... Ça se trouve, c'est le prochain que tu vas rencontrer. D'accord. Parce que s'il y a un prochain, c'est bien. Ben oui, pourquoi veux-tu qu'il y en ait pas? Il va venir de loin. Si, si, il y en aura un. D'accord. Oui. Bon, tu as un gros bisou de la part de Pascal. Ah, un gros bisou à elle. En même temps que je suis la voyance, moi je le dis. Ah oui, je vois. Oui, et donc on me faisait voir un bateau de guerre à Toulon. Donc j'imagine que c'est soit un ancien marin, soit c'est un marin. Ah, j'avais un cousin, mais enfin un demi-cousin très très éloigné, que je n'ai pas vu depuis au moins 25 ans, qui était engagé, qui était marin à Toulon. Ah bah voilà, mais peut-être que c'est lui que tu vas avoir des nouvelles de lui. Ah, mais ça fait au moins 25 ans que je n'ai pas de nouvelles. Et bah tu vas avoir des nouvelles. D'accord, ouais, ça me ferait plaisir. Voilà. Bah oui, parce qu'on m'a montré un bateau. Oui, parce qu'il était engagé dans la marine et il était à Toulon, je suppose qu'il y est toujours. Donc voilà, bah tu vas avoir des nouvelles de là-bas. D'accord. Donc c'est pas un prochain. Ok, bon, bah zut alors. Bon, tant pis. Hein. Il sera peut-être plus près le prochain. Bon, t'as le bonjour de Gitane aussi. Hein. Ah, elles sont toutes sympathiques. Oui. Ouais. Il était sur un gros gros bateau? Comment? Il était sur un gros gros bateau? Oui, il était sur. Parce qu'on me montre un gros gros bateau de. Un gros gros bateau, je ne suis même pas étonné qu'il soit blanc plutôt que gris. Ah, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, je l'ai jamais. Il est parti s'engager, je l'ai vu la veille de son engagement, il avait 18 ans et je ne l'ai jamais revu. D'accord. Bah, tu vas avoir des nouvelles. D'accord. Voilà. De l'autre côté, on me dit de te dire aussi de surveiller tes jambes au niveau des varices, oui. Ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Hein, à mon avis, tu vas devoir aller de voir monsieur le docteur et faire scléroser tout ça, ou il y a quelque chose à faire. D'accord. Oh là là. Parce que tu dois voir le soir, quand tu dois être fatigué, ça doit te tirer dessus. Oui, surtout les pieds. Ouais. Donc il y a quelque chose à aller voir chez le docteur. Hein. D'accord. C'est un problème circulatoire dans les jambes. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir, au fait? Au niveau professionnel, je me lance dans un projet qui me tente sans trop me tenter, mais qui correspond à ce que j'aime faire, voir si ça allait fonctionner ou comment ça allait se passer. C'est dans le bien-être. C'est dans la voyance. Hein. c'est dans le bien-être que tu veux faire?
Oui, bon, je fais beaucoup de voyance, mais c'est vrai que le côté bien-être, tout ça m'attire beaucoup plus. Donc là, ça serait vraiment pour l'instant. Je pense plutôt que ce sera dans le bien-être, mais que tu vas te servir de la voyance aussi. Oui, voilà, oui. Tu vas mettre l'un au service de l'autre. Oui, parce que pour moi, les deux vont ensemble, c'est ouais. ça. Oui, oui, il y a ça comme ça. Hein. Parce que j'ai toujours refusé de le faire en professionnel. Et là, par la situation dans laquelle je suis, je ne peux pas reprendre un travail à cause de ma santé, etc. Et bon, c'était une véritable catastrophe à tout point de vue. Et donc, j'ai fini par accepter de le faire en professionnel. Donc, c'était à savoir si j'étais quand même sur la bonne voie et sur les bonnes pistes. Mais en fait, des fois, on pense qu'on est sur la mauvaise voie, mais non. En fait, tout est expérience. Donc, on est tout le temps sur la bonne voie, en fait. Oui, quand on regarde comme ça, c'est vrai, on est toujours sur la bonne voie. Bah oui, parce qu'on apprend toujours quelque chose d'une situation. Oui, mais bon. Voilà. Après, j'ai d'échec en échec dans tous les domaines, donc c'était à savoir si au moins cette fois, j'avais pu retomber dans les gros échecs. Bah c'est parce que c'est des échecs sans provision. Voilà, exactement. Bon, c'est juste pour le jeu de mots. Hein. Oui, j'avais compris. Voilà. Alors, je pense que tu vas te déclarer, parce que c'est marrant. Je vois comme si tu mettais quelque chose de lumineux à ta fenêtre. Ah, tiens. Ou alors quelque chose qui pour faire remarquer, que ça fait remarquer. Donc, ce sera une activité que tu vas peut-être faire chez toi. Oui, je fais déjà un petit peu, un petit peu chez moi. Tu es à quel étage ? Tu es au rez-de-chaussée ou... Au rez-de-chaussée, oui. Maintenant, voilà. Je suis au rez-de-chaussée. Parce qu'on me montre quelque chose qui est sur les carreaux. D'accord. Du style c'est ici. Comment ? Où vous êtes arrivé. Tu vois, un truc comme ça. Ah qu'on oui, voit d'accord. De, okay. Qu'on voit de l'extérieur. Et comme ça, tu peux te dire aux gens, voilà, c'est là, quoi. D'accord. Ouais, les gens qui vont venir pour la première fois, ils vont voir ça sur le carreau et puis ils vont se dire, c'est hier, on est arrivé. Ok, oui, parce que là, j'ai emménagé il y a un mois et demi et c'est vrai que je suis au rez-de-chaussée, j'ai une fenêtre qui donne dans la rue. Voilà, mais c'est ça. Deux fenêtres qui donnent dans c'est la ça. Rue, oui. C'est ça. C'est ce qu'on me montre. Tu vas mettre quelque chose à ta fenêtre pour indiquer que tu fais ça. D'accord. Et donc, il y a un moment où tu seras vraiment déclaré. Parce que si tu le montres à la fenêtre, ça veut dire que... Mais je suis déclaré, je suis auto-entrepreneur. Donc voilà, je suis déjà déclaré. Alors tu vas pouvoir le faire, parce qu'on me le montre. D'accord. Voilà, donc ça va venir. Bon. Alors, la position debout, en position où tu ne bouges pas, ça ne te convient pas non plus, hein. T'as non, un petit, t'as un petit souci au niveau vertébral. Donc position debout me fait énormément souffrir. Oui, on sent un problème musculaire dans le creux du dos. Oui, hernie discale. Il y a quelque chose là et ça fait mal. Voilà. D'où je ne peux plus reprendre un travail normal. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. C'est un mal pour un bien, si je peux dire. Oui, j'ai fini par le voir un peu comme ça, parce que bon, ça m'a causé beaucoup de soucis, parce que bon, j'ai obligé d'arrêter de travailler, licencié pendant mon arrêt maladie, mes employeurs qui me donnent pas mes papiers pour toucher mes droits, donc je me suis retrouvée sans argent, je me suis retrouvée à la rue, mais en même temps, ça me permet justement de me lancer en professionnel dans tout ce qui est voyance et bien-être, alors qu'avant, j'osais pas m'y lancer, je le faisais comme ça, aux gens que je connaissais, mais pas en professionnel, quoi. Donc c'est vrai que ça me permet de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Avant, tu aimais bien danser ? Oui. Et parce que je vois le côté romantique. Ça, c'est un côté que tu caches. C'est vrai. Là, je suis dévoilée. Là. Je te vois danser joue contre joue avec quelqu'un. Oui. Voilà. Oh, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. ça va t'arriver parce que c'est pareil. Comment il s'appelle celui qui chantait ça ? Dansons, joue contre joue. Oui, dansons. Je ne sais plus. Je vois, j'ai la chanson en tête, mais je sais voilà, plus. Voilà, mais il y a ça et on me dit ça pour toi. D'accord. Ouais. Bon. C'est vrai que c'est un petit peu, à côté de moi, oui, que j'ai enfoui. Que je ne dis à personne. Non, tu caches. C'est pas bien de cacher. Je cache beaucoup de choses, moi. C'est le steak.
Oui, le steak haché. Oui. Voilà. Allez, 1,50 francs. Celui-là, je le mange. 1,50 francs. oui, voilà, Charles Aznavour, merci. Ah, voilà. Voilà. Bon, t'as personne qui s'appelle Charles dans ta famille? Non, je pense pas. Non, c'est juste pour la chanson. Je ne connais pas. C'est juste pour la chanson. Voilà. Non, alors, fais attention aussi au niveau de ton poignet. Oui. T'as un poignet qui est fragile? Oui, une arthrose de partout. Ouais. Et des fois, je ne peux plus me servir de mon poignet, même tenir un stylo, je ne peux pas. Donc, fais-toi des massages de je sais pas quoi, à base de plantes. C'est parce que c'est surtout ton poignet gauche qui est atteint. Hein. Et voilà, des massages, ça pourrait te faire du bien. Je vois comme s'il fallait mettre quelque chose de, comment je pourrais dire ça, comme une pommade transparente. D'accord. Parce que j'utilise beaucoup les huiles essentielles aussi. Voilà, ça peut être ça. Tu peux faire même tes trucs toi-même. Hein. Tu prends je fais beaucoup moi-même, oui. Ah bah voilà, c'est bien alors. Voilà. Ouais, voilà. Ce sera une base transparente, on dit, et puis avec du camphre ou des choses comme ça, des choses qui sont assez fortes pour faire du bien au poignet. C'est vrai que je l'utilise partout, sauf sur le poignet, en fait. C'est vrai. J'ai jamais pensé. Voilà. Il faut le faire. Fais-toi ta propre crème et ça ira mieux. Voilà. Et avec ta main droite, tu masseras le poignet gauche. Le poignet gauche, quoi. Voilà. Voilà. Et puis en même temps, ça veut dire que... Ouais. Ne, il ne faut pas te sentir prisonnière de ta situation. Ouais, je me sens prisonnière depuis des années, années, c'est vrai. Il faut que tu sortes de toi. D'accord. Et que tu te fasses confiance. T'es pas, ça c'est mon gros problème. Voilà. Et le manque de confiance en moi m'empêche souvent d'avancer, de faire les choses. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, bah tant mieux. Si j'arrivais à pas surmonter ça. Oui, il n'y a pas de raison. Ah, et depuis le temps que j'y travaille. Tu sais, si on m'amène des informations jusqu'ici, c'est qu'il y a des choses qui doivent être changées. J'y travaille. C'est vrai que j'ai commencé des séances de kinésiologie. Pour essayer de faire lever un petit peu tous ces blocages, justement, qui m'empêchent d'avancer. Là, quand je dis qu'ils m'empêchent d'avancer, je reste paralysée, quoi. Ouais, mais est-ce que tu pourrais pas, je sais pas, parce qu'on me montre ça aussi, comme un espèce de ballon, est-ce que tu pourrais pas faire une espèce de gymnastique avec un gros ballon ou quelque chose comme ça? Avec mon dos, je peux plus. Ouais, mais ça sera en douceur. Ouais. On me montre un espèce de gros ballon, je sais pas pourquoi. Ouais, alors après, dans le sport, en gros ballon, c'est le... Ouais, comment ça s'appelle? Parce que bon, je travaille avec des sportifs de haut niveau, donc au niveau sport, je connais pas mal. C'est pas la méthode Pilates, c'est... On me montre ça et voilà quoi. Voilà. D'accord. Tu donnes beaucoup. Oui, beaucoup trop. Oui, mais en plus tu le sais, donc voilà. Mais j'arrive pas à faire autrement. Mais... Je commence à donner un petit peu moins là. En même temps, c'est ton boulot. C'est aux gens de savoir que c'est ton travail. Et il faut que les gens respectent ça. C'est ton boulot. Mais justement, ils ne le respectent pas et je ne me fais pas respecter non plus. C'est ta faute. Hein. Voilà, c'est de ma faute, c'est vrai. C'est de ta faute. C'est la faute. Non, complètement. J'ai eu ce problème. Quand j'étais plus jeune, j'avais plein de monde qui venait à la maison. Alors, il y avait toujours la petite tape dans le dos. Ah, tiens, tu peux tirer les cartes à ma chérie. Voilà, c'est ça, n'importe quelle heure, n'importe quel moment. C'est tout de suite, c'est pas dans 5 minutes, c'est tout de suite. Voilà. Donc, je commence à dire non, pas maintenant. Je commence à réussir à le dire. Voilà, il faut que tu apprennes à dire non. Ouais, c'est mon problème. Et tu verras que les choses positives vont arriver quand tu sauras dire non. D'accord. Mais il faut que ce soit des vrais noms ou des vrais oui, quoi. En général, c'est non, puis en fin de compte, je finis par dire oui, quoi. Voilà. Voilà, garde ta première idée. D'accord. Ta première idée, c'est la bonne. Si tu dois aider pour aider, tu aideras. Si tu juges que la personne abuse,
Voilà, tu dis, bah écoute, c'est mon travail, moi tu regardes pas si à la fin du mois j'ai de quoi manger. Voilà, c'est ça. Parce que ton problème est là aussi. Hein. Oui. Ah oui. Ah non, mais c'est ça, tout à fait. Oui, on dit que les gens abusent. Oui. Donc voilà, il y a du travail à faire de ce côté-là, à savoir dire oui ou non. J'y travaille, hein, mais c'est difficile. Voilà. Oui. Oui, et puis en plus, les gens, ils viennent même pas voir quand tu es toute seule, parce que ces gens-là, c'est des gens que tu connais. Voilà, c'est une et, pas des et ces gens-là, quand, voilà, quand toi, tu es toute voilà, seule, quand voilà, toi, t'es toute seule, ils viennent même pas te voir. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je fais plus régulièrement un grand tri autour de moi. Voilà, et ils voient pas que des fois, tu déprimes chez toi, que tu es toute seule. C'est ça. Parce que toi, tu montres le sourire, tu montres le oui, le, en général, je ne montre pas, voilà. Et voilà, il faudrait que les gens y prennent. Qui me connaissent très bien, où je vais dire non, je vais pas bien, mais ça, c'est allez, 2-3 personnes, pas plus, quoi. Oui, il faut que ce soit les vrais oui et les vrais non. Et tu verras que à partir du moment où ce sera ça, les gens vont te respecter pour ce que tu es, d'accord. Pour qui tu es. Voilà. Et ça, c'est ils ne confondront plus le côté amical et le côté professionnel. Mmh. Et c'est à toi de faire respecter ça. Oui, ce que j'ai pas su faire jusqu'à maintenant. Bah, tu vas le savoir maintenant parce que c'est un choix, il faut que tu sauves ta peau quelque part. Ben voilà, parce que du coup, je me suis laissée couler complètement. Et là, je me dis, oh là là, faut peut-être que j'arrive à changer tout ça parce que. C'est bah, ça ta prison là, en fait. Hein. C'est ça. Ta prison, c'est ça. Hein. Mais complètement. Voilà. Il y aura un placard qu'il va falloir changer de place aussi, apparemment. Oui, ben, je viens d'emménager, donc je n'ai plus du tout les meubles adéquats et ben, j'ai tout à racheter. Donc financièrement parlant, je ne peux pas. Donc ça sera. Voilà, parce qu'apparemment, il y a un placard qui touche un tout coin. Après, oui. Tu dois avoir un placard dans un coin à côté d'une fenêtre. Oui. Voilà, et il va falloir le tirer, apparemment. D'accord, oui, de toute façon, il sera. Ça va être remplacé par un meuble bas ou quelque chose comme ça. Genre une commode ouais, ou. Bah, c'est ça. Okay, ouais. C'est mon intention. Ouais. Voilà, bah c'est ce qu'on me montre. Hein. D'accord. Bon, bah, au moins, j'arriverai à acheter mes meubles alors. Voilà. Parce que là, c'est pas mal meublé carton quand même. Bah, c'est bien. Voilà, tu vas y arriver. D'accord. Voilà, mais tu vas y arriver si tu m'écoutes. Oui. Voilà, ah bah, parce que si, c'est pas pour rien tout ce que je t'ai dit avant. Est-ce je que suis là au téléphone, c'est pour écouter les conseils aussi. Ouais. C'est pas pour rien. Si je t'ai dit ça, c'est on te montre le résultat si tu te fais respecter. D'accord. Voilà. Tu es. Tout à l'heure, tu posais la question de savoir si tu étais sur le bon chemin ou pas. Tu es sur le bon chemin. Tu es. Il y a aucun souci de ce côté-là. Seulement, il faut alléger un petit peu ta voiture, si je peux dire. Ouais. Et ta voiture, c'est ta vie. Hein. Oui, mais j'ai compris. Oui. Voilà. Donc, à partir du moment où tu auras allégé tout ça et que tu te feras respecter, ben le manque à gagner n'existera plus, en quelque sorte. D'accord. Bon, c'est déjà quand même des bonnes choses. Ben c'est que des bonnes choses. Oui, non, mais parce que là, je commençais à désespérer, quoi, à me dire, mais je vais jamais y arriver, quoi, à me sortir de tout ça, quoi. Alors, on va aller voir dans le chat, voir s'il y a des... Ne raccroche pas. Oh. Alors là ici, c'est mon micro qui est un petit peu rouillé. Oui, j'ai entendu, là, quand même miaulement. Voilà. Oui, voilà. En fait, il faut que je mette de la graisse. Alors, voilà. Pascal, un gros bisou à Mysteria. Il y a Gitane qui te dit rebonjour. Génial, t'es doué, Jeff. Mais merci, c'est gentil. Oui, Gitane, c'est je confirme. Sympa, la pauvre, qu'elle les repose, c'est rien. Je sais pas pourquoi on dit ça. J'ai eu ça aussi. Là, c'est pas pour le chat. Quand on a un don, il faut savoir l'écouter. T'as raison. Voilà, tu vois. C'est bien sûr ce qu'on te dit. Hein. On vit les choses qu'on doit vivre. Ça, c'est quand je parlais du chemin. Qu'il n'y ait pas de mauvais chemin. Du en fait. Chemin, oui. Voilà. Voilà. Bon, Jeff, t'es vraiment doué, bravo, ça c'est rien. Je venais juste de le trouver, lol, tu m'as devancé. Ah oui, ça c'est pour Charles Aznavour. Voilà. Alors, c'est tout à fait ça, Mysteria, faut faire confiance en toi.
tu réconfortes les autres, mais il faut avancer. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, quelqu'un qui dit que c'est génial ce qu'on fait, voilà, et voilà, et maintenant, voilà, ben c'est tout. Oui, voilà, voilà. Et j'envoie un gros bisou à Kata, parce que je crois qu'elle s'est connectée là, oui, elle est là. Oui. Voilà, et à tout le monde aussi, bien sûr. Un gros bisou à tous. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, 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 Patricia. Eh bien, c'est très bien, je vous remercie beaucoup. Voilà, j'espère que ça sert à quelque chose. Bonne continuation. Voilà. Eh bien, moi je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Parce que tu le mérites. Bah, j'espère. Mais il ne faut pas espérer, c'est la vérité. Voilà, d'accord. Voilà, entendu, chef. Voilà, et fais de beaux soins. Des beaux soins et des belles voyances. D'accord, merci. À bientôt. Bonne soirée. Et merci beaucoup. Au revoir. Salut. Voilà. Donc, c'était Patricia et Mysteria, pour ceux qui sont dans le chat. Alors, hein. Alors, on va s'écouter Georges Moustaki avec Ma gueule de métèque. Voilà. Et après, on accueillera Denise. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne ltu-radio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, rendez-vous donc jeudi prochain avec Miss Claire et sa numérologie vietnamienne. Voilà, comme je disais pour Kate tout à l'heure, Claire est quelqu'un de formidable aussi. Et si vous voulez vraiment vous faire un cadeau gracieusement, puisque c'est gratuit, hein, alors je vous invite simplement à vous inscrire. C'est balèze ce qu'elle fait. Donc vous inscrivez sur le site LTU à la rubrique inscription tout simplement. Vous choisissez la numérologie vietnamienne et vous remplissez le formulaire et nous on vous recontacte. Voilà. Alors, on accueille Denise, je crois, pour finir. Hein. Allô, allô. Oui. Ça oui, va, bonsoir, chef. Ça va? Et bonsoir au chat. Oui, merci. Oui, on entend c'est une voix très douce. Oui, peut-être, oui. Tu as eu des soucis que tu as du mal à évacuer? Des soucis, je t'entends pas très bien. Oui, soucis, j'ai du mal à évacuer, oui. Oui, oui, parce qu'on sent que tu gardes tout de sur toi, quoi. Oui, en fait, je me suis isolée et j'ai plus d'amis et ouais, bah et oui. Plus de famille non plus. Mais on sent ça, ah. Ça se sent et tu as du mal à faire la part des choses maintenant. Ouais, exact. Voilà. Ouais. Et tu comprends pas le qu'est-ce qui t'est arrivé, même si il y a des moments où c'est toi qui décides de te mettre de côté. Et oui, exact. Je crois que je me suis trompée. D'abord, on a oui. commencé par te mettre de côté. Au début, c'était l'inverse. On a commencé par te mettre de côté, et après, toi, tu t'es dit, t'as dû te dire dans ta tête, puisqu'on me met de côté, je vais me mettre de côté. Et maintenant, tu n'arrives plus à comprendre de pourquoi tu commences. Je me suis trompée, en fait, j'ai plus trop d'affinité avec les gens que je fréquentais ailleurs, avant. Voilà. Mais maintenant, ça devient compliqué pour toi parce que tu ne comprends pas. Voilà, et tu as du mal à savoir le pourquoi du comment, si j'entends bien, si je comprends bien. Hein. En fait, je me suis déçue. Je me suis mais de toutes même... les expériences que j'ai eues, je me suis trompée sur toute la ligne, en fait. Et maintenant, je suis beaucoup plus ancrée sur l'au-delà, sur les leçons tirées de mes mauvaises expériences. Donc. Ouais, mais tu te sens seule. Hein. On te sent ouais. seule et abandonnée, comme si tu te sentais abandonnée. Ouais, 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 par ma famille, oui, ouais, ouais. Voilà. Mais en même temps, il y a ça, mais ça te permet d'ouvrir autre chose parce que tu as une sacrée ouverture à la spiritualité qui arrive là. Exact, c'est tout à fait ça.
Mais par contre, là aussi, malgré tout, tu as un côté où tu te sens un petit peu abandonné, là aussi. Mais non, il faut pas penser comme ça. Parce que tu sens comme si tu étais. Tu dis, bon, je m'intéresse, je suis dans la spiritualité, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Et je me sens nu, si je peux dire. Je me sens un petit peu déshabillé, comme si tu te sentais sans armes. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, exact. Voilà. Je t'explique. Oui. Après, tu pourras poser des questions. D'accord. Il n'y a pas de souci. Hein. Parce qu'on sent comme si tu avais une fraîcheur humide au niveau des reins. Tu vois? Comme si tu étais déshabillé, comme si tu avais froid aux reins. Tu vois? D'accord. Et ça, c'est quand. C'est souvent, on a ça, c'est quand on se sent nu, quand on se sent désarmé, quand on se sent abandonné. Ça donne ça. Et non, tu es en pleine évolution. Moi, je sens comme ça. Franchement, je me sens bien en essayant de comprendre un petit peu ce que m'ont apporté les expériences, etc. Oui. Malheureuses, etc. Il me semble que. Voilà, je crois que je suis en train d'acquérir une certaine sérénité. C'est bien. Et c'est pour ça qu'on te change tous tes amis aussi. Oui, je pense, oui. Et oui, non, mais c'est pas, pour moi, c'est une évidence. Tu vois ça? D'accord. Oui. On est en train de t'ouvrir les yeux. Ouais. T'as pas eu tendance à faire des petites crises de spasmophilie ou des choses comme ça? Il me semble, non, mais c'est vrai que j'ai du mal avec mon souffle. Oui, il y a quelque chose. C'est au niveau du diaphragme. Et ça joue sur ta vue. Ça joue sur tes yeux. Exact. En fait, je suis tombée dans le coma suite à une pneumonie il y a 20 ans. D'accord, mais c'est tout ça. Hein. Ça ouais. Et moi, je sens au niveau de tes yeux comme si tes yeux ils faisaient clac, 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 clac. Ouais, j'ai mal aux yeux, ouais. Et je vois pas très bien. Voilà. Ouais. Le printemps, c'est le printemps pour toi. Printemps. Ouais, ça veut dire que tu as des choses qui démarrent. Oh, mais je ne sens pas. Hein. Ben, je te le dis, c'est le printemps pour toi, il y a des choses qui vont démarrer, c'est le début. Voilà, tout ce qui te reste en travers de la gorge, tout ça, c'est, hop, ça va sauter et des choses vont démarrer. D'accord? Voilà. Tu n'auras plus besoin d'attendre, des choses vont arriver. Là, c'est-à-dire que je m'isole, alors je vois pas ce qui pourrait me tomber dessus. Mais non, mais tu t'es isolé, c'est comme une. Malgré tout, c'est comme une bon, tout à l'heure, je parlais d'abandon, d'accord? Ouais. Mais c'est pas pour rien, il y a ce côté méditation, si je peux dire. Oui, exactement. Voilà. Ouais, c'est pas que du négatif, il y a aussi ce négatif qui se transforme en positif. Ah ouais, mais je suis entièrement d'accord, je suis bien comme ça, hein. Jeff. Ouais. Voilà. Donc et les choses vont démarrer maintenant. Mm-hmm. Voilà. T'as pas eu tendance à avoir mal aux pieds puis que t'as plus mal aux pieds maintenant ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire que j'ai. Je te dis ça comme ça parce que c'est comme si tu allais te mettre en marche maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Et pour se mettre en marche, c'est pour ça que je fais rapport avec les pieds. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as des questions à poser? Oui, là, je suis un petit peu dans l'embarras parce que c'est une question de confiance en soi aussi. C'est-à-dire, moi, j'étais secrétaire comptable. Oui. Suite à mon coma, je ne suis plus du tout sûre de moi. J'ai mon dossier, un dossier important à établir de retraite et j'arrive pas à me mettre dedans, sachant qu'il faut absolument que je le fasse et j'ai l'impression que ça ne va pas, tu vas le faire. Pas se dérouler comme il faut. Je vais le faire. Oui, tu vas le faire, tu vas te faire aider, comme s'il y avait un homme qui va venir t'aider pour faire ça. Ah d'accord. Je vois un homme te donner un coup de main, comme si toi tu étais en train d'écrire et lui se pencher sur toi en fait. D'accord. Pour t'aider. C'est génial. Voilà, mais il faut demander l'aide aussi, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Hein.
Oui, oui, j'y vais lundi, mais je ne sais pas, ça, je suis bloquée. On va te donner de l'aide, tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir de l'aide, il y a un monsieur qui va t'aider. Super. Voilà. Donc ton dossier de retraite, il va passer sans problème. D'accord. Oui, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu me vois d'autre? Je te vois sortir de toi, sortir, te désenfermer. Donc ça veut dire sortir, quoi, tout simplement. Mm-hmm. Voilà. T'as juste besoin de retrouver un petit peu de la confiance aussi en même temps. Hein. Voilà. Et en même temps, le côté isolement, et ben, comment dire ça, ça te bloque quelque part. Tu as le pour, le contre, mais en même temps, ça t'empêche d'avancer. De m'ouvrir aux autres, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est et sûr. Donc, le fait de reprendre tes, comment je peux dire ça, de faire tes papiers pour la retraite. Mm-hmm. Eh ben, ça va te redonner comme une espèce de second souffle. Ça va te redonner la confiance, si je peux dire. Comme un second souffle, comme si c'était un plus. D'accord. Tu comprends ce que je veux te dire? Oh ouais, je comprends. Ça fait tellement souvent que je fais des dossiers. En fait, je vais t'appeler Madame Petit Pas. Madame Petit Pas. Ah oui. C'est vrai que j'ai une voix un petit peu lente, un petit peu douce. Mais non, je n'ai pas dit la voix, j'ai dit Madame Petit Pas. Petit Pas, ça veut dire que tu vas faire les pas les uns après les autres. Un pas, ouais, un pas, ouais. Un pas. Et c'est comme ça que tu vas retrouver le chemin, si je peux dire. C'est super. C'est génial. Ben oui. Ouais. Ouais. Tu as une fille? Non, j'ai un garçon. C'est un garçon? Ah, je voyais une fille, moi, c'est marrant. Ah. J'ai une fille. Tu vois une fille? Ben oui. J'ai eu une fausse couche avant mon fils. D'accord, mais c'est peut-être ça que je vois, alors je sais pas. Hein. Bien longtemps. Je sais pas, moi je vois une fille. Ah ouais? Ah non, j'ai un garçon. Bah oui, j'y peux rien. Mais c'était peut-être une fille que j'ai eue. Peut-être, hein, voilà. Mais... J'y pense à l'enfant que j'ai pas eu. Et tu l'as perdu à combien de mois J'ai eu un avortement à l'époque. D'accord. Ouais, c'était en... Ça me fait tout mal au pied, au tibia. Quand je pense à ça, ça me fait tout mal au tibia. Ah bon? Oui. C'est pas. Je sais pas d'où ça vient. Non, je sais pas. I don't know. Non, I don't know. Ouais. Tu auras un déplacement aussi à faire. Là, tu habites où? J'habite à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. D'accord. Et est-ce que tu peux. Est-ce que pour certains papiers, tu serais pas obligé de changer de ville ou quelque chose comme ça ou... Ou écrire à une autre ville ou quelque chose comme ça. On parle d'une autre ville. Pas de... Oh, qu'est-ce que j'aimerais. J'aimerais m'en aller d'ici, oui. J'aimerais. Ben moi, je te vois écrire, il y a quelque chose que dans une autre ville. Ah ouais. Ah ouais, j'aimerais partir, ouais. Et c'est peut-être pour ta retraite. Parce que moi, c'est un rapport avec la retraite aussi. Ah bon? Ben donc, oui, mais ça veut dire que peut-être que si tu pars, ce sera après la retraite, enfin à la retraite. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que ouais. Tu as des papiers à faire dans une autre ville pour la retraite. Ah, pour ma retraite. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah, ben, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais m'en aller d'ici. Ouais. Donc, à mon avis, peut-être que tu vas partir de Saint-Étienne à Lyon, par exemple, pourquoi pas? Ah, j'aime pas trop, non. Comment? Non, mais pas loin, ouais. C'est une possibilité, j'aimerais bien. Bah, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à Lyon. Lyon, je ne sais pas pourquoi. Lyon, alors j'ai ma tante qui est à Lyon et à qui je ne parle plus. Oui. Par contre, mon oncle est décédé, j'étais auprès de ma tante pour l'aider dans cette épreuve. Et lorsqu'il est décédé, j'ai eu deux signes de lui, de mon oncle, je suis sûre que c'est lui. D'accord, et il est de Lyon. Il est décédé. Ton tonton, il est de Lyon? Ouais, il était de Lyon. Ma tante, d'accord, qui est toujours... Parce qu'on me parle de Lyon, hein. On me parle de Lyon et je pense pas que ce soit anodin, quoi. Ah, d'accord. Ma tante est de Lyon, mais on se parle plus. Mais mon oncle, lorsqu'il est décédé, donc il était à Lyon, j'y étais pour son enterrement et j'ai eu deux signes de lui. Je suis sûre que c'est lui.
C'est lui qui nous a fait signe lorsqu'il est décédé. Voilà, mais après, après c'est pas parce qu'on fait la gueule à quelqu'un qu'on peut pas revenir, redevenir. Ah oui, moi j'adore ma tante. Ah oui, voilà, non, moi j'adore ma tante. Hein. Comme on dit, il y a que les machins qui changent pas d'avis, quoi. Ah oui, non, mais moi j'adore ma tante. Hein. Ça n'enlève rien à l'affection que j'ai pour elle. Voilà, donc à mon avis, vous allez vous reparler et je suis presque persuadé que c'est à Lyon que tu vas être en retraite. Ah d'accord. Ou au moins, c'est peut-être pas à Lyon même, mais dans un quartier de Lyon, de oui, en banlieue, oui, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un centre de Lyon, oui. Ah ouais. Voilà. Mais je pense que c'est ça, hein. Franchement. Parce qu'on me dit Lyon, il n'y a pas de raison. Hein. Ah oui, oui, là, c'est bon, là, c'est bon, ouais. Donc, voilà. Alors, si tu as une question. Alors moi, j'ai perdu mes trois frères. Hein. J'avais trois frères. Je les ai perdus tous les trois. J'ai perdu mon oncle de Lyon aussi et mon père. Mais moi, j'ai mon frère Christian. Mais tu as, il y a un problème. Bon, c'est de la palissade, hein, ce que je veux dire, mais c'est un problème avec les hommes, si je peux dire. Regarde. Tout à l'heure, on parlait d'abandon. Mais finalement, dans ta vie, quelque part, c'est pas ça. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. C'est les hommes qui t'ont quitté. Tes frères, ton père, ton oncle. Oui. Et je m'entends bien avec les hommes en plus. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça va revenir parce que il y a cette ouverture qui est en train de se faire. Voilà, c'est pas pour rien que je te parle de ça. Hein. D'accord. Donc, il y a des contacts qui vont arriver. Je ne dis pas que tu vas être médium, que tu vas en faire ton métier. Ce n'est pas ça que je dis du tout. Hein. Mais tu vas... Il y a cette capacité à capter les membres de ta famille. Oh, c'est génial ce que tu me dis. J'attends ça, mais c'est génial. En fait, quand je suis sortie du coma, j'ai eu 3 semaines de coma, il y a 20 ans. Oui. Je suis ressortie avec des flashs pas possibles. Ben, c'est ça. Des intuitions. Je fais attention aux signes. J'ai des signes. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je te dis. Hein. C'est ça. Ouais. Mais ça se développe maintenant, là, plus fort maintenant. J'aimerais tellement. Oui, tu mais enlève ce conditionnel. Comment ? Tu dis j'aimerais tellement. Moi je te dis tu aimeras. Oh c'est génial. Enlève ce conditionnel. Wow, le conditionnel c'est comme si tu mettais toi-même des conditions. Alors tu enlèves ce conditionnel et il n'y aura plus de conditions. Ce sera sans conditions. D'accord. Mais dis-moi Jeff, moi j'ai un problème avec mon frère Christian que j'adorais. Hein, je considérais vraiment. Il n'y a pas un problème d'ego entre vous deux ? Non, c'est juste qu'il s'est suicidé et je ne sais pas s'il va bien, je ne sais pas quoi faire. Tu as passé Balavoine tout à l'heure, il adorait Balavoine, il n'y a que ça qu'il écoutait d'ailleurs. Oui. Et je ne sais pas où il est, je ne sais pas quoi faire pour qu'il trouve la lumière, je ne suis pas sûre qu'il l'ait trouvé. J'ai beaucoup de questionnements par rapport à ça, je n'ai pas de signe. Tu n'as pas. Oui, moi j'avais l'impression que vous étiez disputé. J'ai eu cette impression là que vous étiez disputé et qu'il y a eu un problème d'ego, justement. Non, il était dépressif. Je le gardais chez moi le soir de Noël, le réveillon. Oui. Il dormait dans la chambre de mon fils qui avait 8 ans, donc mon fils dormait dans notre chambre. Oui. Et il s'est levé à minuit et il m'a dit « Je me sens pas bien, j'ai des angoisses. » Je lui ai dit « Viens, regarde un petit peu la télé avec moi. Oui. » Et puis il s'est relevé et il m'a dit « J'ai soif. » Je lui ai dit « Prends une carafe d'eau pour ta chambre. » Et il m'a dit « Oui, c'est une bonne idée. » Et puis le lendemain, le jour de Noël, on l'a retrouvé mort dans le lit de mon fils. Quoi. Oui. Je sais qu'à un moment, alors j'espère que c'est pas ça, je sais qu'à un moment, quand il s'est levé, il était en slip. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en slip? Il m'a dit, mais t'es ma sœur quand même. Alors je lui dis, oui, excuse-moi. Il y a eu quelque chose. Mais c'est pas ça qui a fait que. Hein, Ah oui, non, il était dépressif.
Ouais, il y a quelque chose. Parce que moi, je vois comme une dispute. Il y a quelque chose. On n'est pas d'accord. Alors, quand je le vois en rêve, on est toujours en train de se disputer. Oui. Et mon père, pareil. Et je comprends pas. Alors, mais ça, c'est parce que tu te disputes avec toi-même, en fait. Ah, d'accord. Ben oui. Parce que tu n'es pas heureuse. Faut pas dire les choses comme elles. Voilà, t'as envie d'autre chose, t'as envie d'évoluer. De toute façon, ça se voit dans tout ce que tu as dit ce soir. Ça se ressent. Mais non, mais je suis bien, j'ai envie de mon chien, de nature, mon vélo et d'un petit appartement à la campagne, c'est tout, moi. Oui. Ah ouais. Oui. Mais c'est marrant, c'est... Ouais, il a manqué quelque chose, c'est sûr. Hein, ouais, c'est pas... il manque, même à moi, il me manque des pièces au puzzle, si je peux dire. Ah ouais. Parce que je ressens pas. Parce que j'ai pas de bienveillance autour de moi. J'ai pas quelqu'un qui pense à moi. J'ai pas de famille. Mes amis sont loin, sont pas à Saint-Étienne. Je les ai qu'au téléphone. Mmh. Voilà, c'est ça qui me manque, de la chaleur humaine. Oui. Mais la prochaine fois qu'il va venir, vous vous disputerez pas. Hein. Génial. Voilà, parce que tu as compris maintenant. Tu as compris le pourquoi du comment. C'est génial. Donc maintenant, tu ne te disputeras pas. Vous allez pouvoir construire maintenant. C'est génial. Voilà, et on va travailler sur toi. Pour que toi, tu puisses avancer et que tu puisses passer ta retraite normalement, tranquillement. Voilà, et t'occuper des gens aussi. Moi, ouais, j'adore ça, m'occuper des gens. Tu vas pouvoir t'occuper des gens. Ah, j'adore. Alors, mais j'ai l'impression que c'est en discussion. C'est dans la discussion que tu vas apporter quelque chose. D'accord. Voilà. Voilà ce que je peux te dire à peu près. Bah, c'est génial. On fait ce qu'on peut, hein, comme on dit. On n'est pas des chambres à air. Voilà. Prends ton temps. D'accord. Hein ? Il faut que tu prennes ton temps. Les choses vont arriver et tu prends ton temps tranquillement. Mais après, ça va vraiment démarrer, c'est quand tu auras déménagé. Mmh. D'accord ? D'accord. Quand je dis les choses vont arriver, ça veut dire le développement, de ton développement. Mmh. Hein. C'est ça que je parle. Ouais. Hein. Je ne dis pas que voilà, c'est pas, faut pas comprendre ce que je n'ai pas dit. Ah oh, ouais, d'accord. Voilà, une fois que tu auras déménagé, là, les choses vont se débloquer pour toi. D'accord. Tu as... c'est comme si tu avais lavé ton intérieur. Ouais, je pense que c'est en train de se faire. Ouais, c'est voilà. Comme si, voilà, on me parle de ça, on me montre comme si il y avait de l'eau et de l'eau nettoie tout ton intérieur. D'accord, c'est génial. Voilà. Voilà tout ce que je peux te dire. Eh ben, je suis très contente. Jeff, je voulais te faire de gros bisous, te remercier. Merci pour tes intervenants aussi, parce que moi je suis tous les soirs, je suis sur la radio. Hein. D'accord, tu as quel pseudo si c'est pas indiscret, Denise ? Je t'entends pas. Quel pseudo tu as si c'est pas indiscret ? Nizou. C'est Nizou qui a perdu son oiseau cette semaine et qui était complètement dans la tristesse. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et ben voilà. Mais maintenant ça va aller dans le bon sens. Ouais. Voilà, faut pas. Faut t'ouvrir, tout simplement, maintenant. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Bah, je vais te laisser. Oui, d'accord. Alors, je fais des bisous au chat. Voilà, il y a Rabia qui te dit que c'est. Rabia te dit que si tu veux évoluer, il faut pas t'isoler. D'accord, c'est super sympa. D'accord. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a comme message. Alors, je vais les lire. D'accord, ouais. C'est super sympa. Voilà, il ne faut pas t'enfermer. Oui. Voilà. Alors, je vous dis bonsoir à tous. Merci et à tout de suite dans la radio. Hein. Bah oui, maintenant, on va accueillir Kate. D'accord. Qui est très forte. Moi, j'adore l'écouter aussi. D'accord. Alors, merci de tout cœur, Jeff. Je te fais des gros bisous. Bah, idem. À bientôt. Ciao. Voilà, c'était Denise. Nizou. Voilà. Alors, on va se quitter l'espace d'un générique. Voilà, et puis on va accueillir Kate pour l'arbre, j'allais dire l'arbre généalogique. Non, l'arbre aux étoiles, pardon. Voilà,
Et on se retrouve donc deux génériques et une chanson entre les deux. Et puis voilà, et on a rendez-vous avec Kate. À tout de suite.